Beaucoup de tuteurs se demandent si les chiens font des cauchemars quand ils les voient gémir, pleurer et même grogner quand ils sont en train de dormir. Vous aussi, vous vous êtes déjà posé la question ? Découvrez la réponse dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal. Combien de temps les chiens dorment-ils ? Les heures de sommeil sont essentielles pour un chien, car leur corps et leur esprit ont besoin de se reposer pour refaire le plein d'énergie et maintenir un métabolisme équilibré. Ainsi, en tant que tuteur, il est de notre ressort de veiller à ce que nos meilleurs amis aient un environnement positif et calme où ils peuvent se détendre et bien dormir. Les chiots peuvent dormir environ 20 heures par jour, lors de leurs 3 ou 4 premiers mois de vie. Un chien adulte dort généralement entre 8 et 13 heures par jour, alors que les chiens âgés de plus de 8 ou 10 ans peuvent dormir de 15 à 18 heures. De quoi rêvent les chiens ? Un chien commence à rêver lorsqu'il entre dans la phase de sommeil paradoxal. Plusieurs études ont montré que les ondes cérébrales des chiens pendant le sommeil ne sont pas très différentes de celles observées chez l'homme. Cela suggère que le sommeil chez le chien a la même fonction que chez l'homme, assimiler ou fixer les expériences et les apprentissages vécus au cours de la journée. Par conséquent, il est plus que probable que les chiens rêvent de choses qu'ils vivent au jour le jour, comme leur promenade, les jeux qu'ils partagent avec d'autres chiens ou la nourriture qu'ils aiment. Donc si vous vous demandiez si les chiens rêvent de leur tuteur, la réponse est oui, parce que leur tuteur est leur humain préféré, celui avec qui ils partagent leur routine et leur bonheur quotidien. Les chiens font-ils des cauchemars ? Tout indique que les chiens peuvent faire des cauchemars. Dans le cas où un chien a vécu une expérience négative dans son quotidien, cette dernière peut également être fixée durant sa période onirique, et ce souvenir désagréable peut finir par provoquer un cauchemar, qui ne sera rien de plus qu'un rêve au contenu négatif et désagréable. Comme nous, les chiens peuvent vivre des moments difficiles ou frustrants dans leur quotidien, ce qui est tout à fait normal. Cependant, si votre chien fait des cauchemars tous les jours, cela peut indiquer que son environnement et sa routine nuisent à son bien-être. Faut-il réveiller un chien qui fait un cauchemar ? En voyant leur chien agité qui semble passer un sale moment, il est normal que beaucoup de tuteurs aient envie de le réveiller pour le sortir de ce mauvais rêve. Néanmoins, il n'est pas recommandé de réveiller un chien brusquement, car ce dernier pourrait avoir peur, ce qui le stressera énormément et ce qui pourrait l'amener à avoir une réaction inattendue et même violente. Si vous constatez que votre chien a un cauchemar, il vaut mieux que vous l'observiez et que vous attendiez, car généralement, il ne dure jamais trop longtemps. Mais si le mauvais rêve dure trop longtemps et que votre meilleur ami est toujours agité et effrayé, vous pouvez lui parler d'une voix douce et réconfortante jusqu'à ce qu'il se réveille. Et une fois qu'il ouvrira les yeux, caressez-le pour qu'il se sente protégé. Maintenant que vous savez tout sur le sommeil des chiens et sur leurs cauchemars, vous avez déjà vu votre chien en train d'avoir un cauchemar ? Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt sur Planète Animal !